Hey, salutations les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en train de changer de voiture et de rechercher une petite citadine pour 1 500 €. Et donc, je vais vous faire le petit guide d'achat pour acheter une voiture à 1 500 € qui va bien, qui n'a pas de surprise et qui a un contrôle technique OK. C'est parti. Alors, premièrement, on va être tenté d'abord d'acheter un véhicule diesel. Mais attention, dans ces prix-là, vous aurez un véhicule diesel qui sera fortement kilométré. Quand j'appelle fortement kilométré, c'est à partir de 180 000 km jusqu'à 250 000 km. Or, il faut savoir que sur les moteurs diesel, vous avez de fortes chances à ce kilométrage-là d'avoir un turbo HS. Et un turbo à changer, ça coûte entre 900 et 1 600 € à changer. Donc c'est-à-dire le prix de la voiture. Ensuite, ce qu'il va falloir faire attention, c'est au niveau de la boîte de vitesse. Il faut absolument prendre une boîte de vitesse manuelle et pas une boîte de vitesse automatique, car contrairement à ce qu'on peut penser, les boîtes automatiques ont tendance à s'user plus rapidement que les boîtes de vitesse manuelles, surtout sur des véhicules de type citadine. Ensuite, si on considère le budget global de 1 500 €, effectivement c'est un bon budget, mais dans ce budget-là, vous allez tomber dans le panneau des grosses berlines qui vont consommer un max, et plus vous avez une voiture qui est grande, plus vous avez une voiture qui est équipée, plus vous avez un véhicule qui est luxueux, plus vous avez de sources de panne possibles. Par exemple, dans ce budget-là, vous trouverez des Laguna, les Laguna 2 qui sont un enfer au niveau fiabilité, vous avez des Renault Clio 2 qui sont pareil un enfer au niveau fiabilité, je vous le déconseille extrêmement fortement. Donc qu'est-ce que je vous conseille dans ces prix là, c'est de partir sur une petite citadine essence, soit de type 106, le moteur 1 litre ou 1 litre 1 sont des très bons moteurs, vous avez les Citroën Saxo qui vont être à peu près équivalentes, de toute façon elles ont les mêmes moteurs. Vous pouvez avoir des 206 entre le 1 litre 1 et le 1 litre 4 qui sont des très très bons véhicules et très bons moteurs. Et moi ce que je vous conseille, c'est le grand gagnant de tous les coups. Alors effectivement c'est pas très joli, mais c'est la Twingo. Donc en gros, qu'est-ce qu'il faut mettre comme critère quand vous allez faire votre recherche sur le bon coin? Vous allez mettre année minimum 99. Pourquoi? Parce que sur une citadine essence, ça vous permet d'être critère 2, voire critère 3. Donc c'est quand même intéressant, ça vous permettra de rouler dans les villes où il y a une restriction par rapport à la vignette critère. Au niveau du kilométrage, prenez pas de véhicule au-delà de 120 000 km. Pourquoi? Parce que la courroie de distribution est souvent à faire soit tous les 10 ans, soit tous les 150 000 km. Donc si vous l'achetez à 120 000 km, vous avez encore un petit peu de marge pour faire votre courroie de distribution. Au niveau du prix, on est d'accord qu'on partait sur un budget max de 1 500, mais mettez pas 1 500 € comme maximum, mettez 2 000 parce qu'il y a toujours une marge de négociation. Et puis bien sûr, au niveau du carburant, mettez absolument carburant essence. Voilà. Voilà ce que je vous conseille pour choisir une voiture dans un budget de 1 500 € avec un contrôle technique OK, qui roule bien, qui n'a pas de frais à prévoir et qui consomme pas trop. Parce qu'il faut savoir que même si c'est des essences, vous prenez une Twingo ou une Citroën Saxo ou une 106 1 litre 1, vous allez faire 6 litres, 5 litres, peut-être 6 litres 5 en ville. Mais dans tous les cas, si vous faites le ratio à acheter un véhicule diesel à 3 000 €, avant d'avoir 1 500 € de différence de prix de l'achat du carburant par an, il va falloir sacrément rouler, et en fait au final ça devient pas plus intéressant d'acheter un diesel que d'acheter un essence. Et il faut pas oublier un truc, c'est que le diesel, ça a été connu et reconnu maintenant, le diesel pollue plus que le véhicule essence, surtout pour les diesels anciens qui ont une dizaine, une quinzaine d'années. Voilà, c'était mon petit guide d'achat pour les véhicules à 1 500 €. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des suggestions, surtout, n'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager et à nous mettre un petit commentaire. Voilà les amis, c'était tout. C'était Charlie de Connaissance et Liberté. Je vous dis à la prochaine. Soyez bienveillants les uns vers les autres et prenez soin de vos anciens par ces temps difficiles. Allez, à la prochaine. Ciao.